Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Honoré Nouanou et nous allons ici essayer de répondre à la question que nous a posée notre très cher ami Mathieu022 de Paris. Alors il a demandé, est-ce qu'il faut forcément être bon en mathématiques pour être bon en programmation? La réponse à cette question est la suivante, oui et non. Pourquoi oui et non? Il n'est pas obligatoire d'être bon en mathématiques pour être bon en programmation. Si vous voulez faire des programmes basiques, parce que la programmation s'appuie sur les opérations arithmétiques telles que l'addition, la soustraction, la division, la multiplication. Okay? Donc ça, ce sont les quatre opérations arithmétiques de base. Pour quelqu'un qui n'est pas assez bon en mathématiques, il peut faire des programmes qui ne sont pas forcément, disons, qui ne nécessite pas, je dirais, des connaissances approfondies en mathématiques. Par exemple, un programme qui va simuler une ligne calculatrice, un autre programme qui va recueillir la somme des nombres et donner ici une moyenne, donc la somme des notes d'un étudiant, par exemple, et donner une moyenne. On n'a pas forcément besoin de connaissances approfondies en mathématiques. Par contre, si vous voulez faire, par exemple, un jeu, c'est-à-dire un game, il va falloir ici avoir des connaissances, que ce soit en mathématiques ou en physique. Pourquoi? Parce que lorsque je vais vous présenter par exemple un jeu que nous avons sur BlackBerry, le jeu de Brick Breaker, ok? Donc ces gens ici tout simplement une petite barre qui est en bas qui doit taper une boule pour casser les briques qui sont en haut. Pour faire ce genre de jeu, il faut avoir ici des connaissances par exemple en physique. Parce qu'il faudra être amené à gérer la vélocité de la boule, je veux dire donc la vitesse de la boule, pour que cela soit disons semblable à la réalité. Donc simuler cet effet d'intelligence artificielle. Ok? Donc pour certains programmes, il faut des connaissances approfondies, que ce soit en mathématiques, en physique. Pour d'autres programmes, pas besoin. C'est un peu aussi, vous voulez faire un programme qui joue un peu sur les ADN. Donc il faut avoir également des connaissances en biologie. Donc pour chaque type de programme, il faut des connaissances minimales pour être à même de pouvoir gérer au mieux votre projet. Je terminerai en disant que dans la vie réelle, il y a deux types de connaissances. La connaissance déclarative et la connaissance impérative. La connaissance déclarative est constituée d'énonciations a priori vraies. Par exemple, pour ne pas être en retard à l'école, il faut se lever tôt le matin. Pour être en bonne santé, il faut bien manger, ainsi de suite. Alors que la connaissance impérative, quant à elle, décrit le procédé pour obtenir un résultat. Pour faire du café, il faut chauffer de l'eau, il faut mettre du lait, il faut mettre Nescafé, ainsi de suite. J'adore tout ce qui est nourriture. Miam, miam. Alors que, ici, qu'est-ce que je disais? À cause de la nourriture, j'ai quasiment tout oublié. Okay? Donc, je disais qu'il faut avoir deux types de connaissances, la connaissance déclarative et la connaissance impérative. Prenons le cas, par exemple, si vous voulez faire un programme qui va simuler ici le calcul de la force de Coulomb en deux charges ponctuelles qui sont dans l'espace. Donc, ici, il faudra avoir ici une connaissance déclarative, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que la force de Coulomb? Et deuxièmement, il faudra avoir la connaissance impérative, c'est-à-dire comment calculer la force de Coulomb. Il faut que donc toutes ces deux conditions soient réunies, toutes ces deux connaissances plutôt soient réunies pour obtenir ici le résultat. Ok? Donc, je terminerai en disant quoi? Quel que soit ici le type de programme, il vous faut tout simplement ici la volonté. Car avec la volonté, on peut déplacer des montagnes. So, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. Have a nice day.